échafaudage venait de tomber sur une vingtaine de jeunes dans la grande rue du Mont-Saint-Michel et qu'on avait 17 jeunes, a priori, grièvement blessés. Ce qui a entraîné le déclenchement du PCO, du poste de commandement opérationnel, et le déclenchement d'un plan Novi, nombreuses victimes, dans lequel le SAMU et les pompiers vont jouer un rôle majeur. Donc là, les acteurs sont en train d'être tous prévenus, ce qui va permettre leur intervention sur les lieux. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que c'est les commerçants qui jouent leur rôle, c'est-à-dire d'évacuer vers la sortie un maximum de gens pour éviter tout effet de panique supplémentaire, on va dire, par rapport à ce qui est là. Ensuite, on répertorie dans un logiciel les nombreuses victimes. Dans ce logiciel, on va identifier, je vous ai dit, trier les gens en fonction de l'urgence de leurs blessures. Et voilà, ça va permettre déjà d'avoir une vision d'ensemble. Ensuite, ça va permettre une deuxième chose, c'est d'identifier les personnes blessées. Donc, soit les personnes vont déclarer leur identité, soit on va retrouver des papiers sur eux, etc. Et là, ça va permettre de pouvoir faire autre chose, c'est de répondre aux familles. Parce que les familles vont appeler la préfecture. On va mettre en place une cellule d'information du public qui va être montée en préfecture. Donc, à des gens qui vont recevoir les nombreux appels des personnes inquiètes pour leurs proches qui pensent qu'ils ont été blessés. Et là, grâce à ce logiciel qui est interconnecté entre les services de secours, la préfecture, les forces de sécurité intérieure, eh ben, on va pouvoir répondre aux questions et d'y rassurer les gens, ou au contraire, se rendre compte qu'il y a une difficulté et puis leur annoncer malheureusement parfois des mauvaises nouvelles. Mais ça va permettre quand même d'avoir une information fiabilisée et surtout, avant d'informer les familles, l'objectif premier, c'est d'apporter rapidement une réponse médicale adaptée à chaque personne. Donc vous avez commencé l'exercice à 17h, il s'est terminé à 18h50. Pourquoi 18h50 ? Parce que nous étions certains d'avoir évacué l'ensemble des jeunes qui étaient impliqués et d'avoir effectué l'orientation médicale de toutes les victimes, donc blessées, à la fois, je le répète, urgence absolue, urgence relative. Donc, fin d'exercice.